gros économat. Voilà, avec vraiment du cochon breton, du poisson frais de ce matin qui est arrivé, des légumes bio, enfin des légumes de la région. En fait, tous les partenaires vraiment ont répondu présent, que ce soit pour l'épicerie, du chocolat, les crèmes. Et donc, les candidats avaient un quart d'heure pour tout choisir avec leur commis, donc les ingrédients avant de faire l'écrit. Jeunes, bah, c'est une chance hein, d'avoir de voir des professionnels œuvrer. Par athlète, on a quand même une grande tradition au niveau des concours, hein, puisque voilà, il y a ce concours-là. Sinon, on participe à différents concours, comme par exemple les Olympiades des métiers. Et donc, on aime ces challenges et ce qui permet d'atteindre ce qu'on appelle l'excellence en cuisine et dans les métiers de la salle aussi. On a créé un espace partenaire dans le bas au niveau rez-de-chaussée. 50 partenaires donc bretons et dont nationaux aussi qui ont répondu présents avec le soutien d'Eurotoc France. Et donc je les remercie beaucoup. Là pour l'instant tout se déroule bien, donc on espère vraiment avoir rapidement donc à peu près donc une première ébauche, pas dire des résultats, mais rien n'est joué. Hein. Même Master 6, ça fait 2 heures que ça a commencé. Ils ont choisi chacun leur produits frais essentiellement. Et là, on voit de jolies choses, hein, que ce soit technique, niveau propreté, niveau investissement, niveau sérieux. C'est vraiment bien. Ça présage de belles assiettes. Candidats, il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression, c'est pas simple. Ils ont des plats à rendre pour 15 heures, donc ça va très vite. Il ne faut pas se baser que sur de la technique, il faut bien penser plutôt à ce qu'ont envie de faire les candidats, ce qu'ils ont envie de dire avec leur cuisine, de partager. C'est pour ça qu'il y a deux jurys, un jury qui note la production et un jury qui déguste. Et souvent, on a des surprises. C'est pas forcément la meilleure technique qui gagne. Il faut l'émotion. Il faut donner d'émotion au plat. Et... Il faut savoir donner un peu de temps pour ces choses-là, parce que c'est important. C'est quand même les générations derrière nous à qui prendront la relève. Ça permet un peu d'évoluer les nouvelles techniques, les nouveaux fabricants de matériel, les nouveaux produits, voilà, il faut vivre avec son temps.